Amen. Amen. Ce sont les grands mystères. Lorsque nous interrogeons, Pierre, ainsi que le baptême, j'ai été baptisé au nom du Père. Nous commençons à lui dire nos condoléances. Hey, nos dix fils. Hey, nos condoléances. Allez, notre Saint-Esprit. Et tu avais accepté véritablement. Qui t'avait baptisé? C'est l'ange. Non. C'est un homme, il fit révéra. Il n'a pas son père. Est-ce que le révéra là n'a pas son père? Alors pourquoi il a fait un secret, un mystère? Si c'est un père céleste, il fait un mystère. Non, il avait le père. Est-ce que pensez-vous qu'il est né seul? Si d'ailleurs nous sommes nés étant un homme de cinq, n'est-ce pas que leurs pères sont elles-mêmes? Permettez, pardonnez-moi, ayons l'habitude de remercier Dieu qui nous a connus dans ce temps. Quel est ce temps? C'est le temps de la fin. C'est le temps de l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ nous approche. Et Jésus-Christ est à la porte. Il vient. Celui qui ne sera pas prêt, il y reste. Celui qui ne sera pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a pas le droit au Rome Takatifu. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va rester sans doute. Et s'il mourrait, il restera là-bas. Oh, visite à la on t'enterre au nom du Père de Christ, etc. Si tu quittes là-bas, tu seras yes, un homme. C'est lui qui croise en moi. Même s'il est mort, que je vous donne une chanson. Lazare est mort, on l'enterre. On commence à pleurer. Et Jésus leur dit, ne pleurez pas pour rien. Non, notre frère est mort. Tu étais absent ici. Je n'étais pas ici. Mais aujourd'hui, je suis présent. Ce que je pouvais faire hier, même aujourd'hui, j'ai la puissance de le faire. Amen. Amen. Vous ne pleurez pas. Où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce qu'on l'a enterré? Il est en train de piouer. Et le pie, il le pie. Est-ce que c'est la réponse? Où est-ce qu'il est enterré? À ce moment, il est en train de piouer. Où est-ce qu'il est enterré? Non, il connaît chassé Kouine. Il y a les gens qui souvent ont l'habitude de couronner le diable. Moi j'ai un grand problème, la maladie qui m'a attrapé. Peut-être elle peut m'emporter. Sans doute elle va t'emporter. Où est-ce qu'on l'a enterré? Oui, il est enterré là-bas. Jésus leur dit, allez mes mon frère. Le païen dit, accompagnons les pauvres. Plaire avec lui là-bas. Est-ce que Jésus va aller plaire? Jésus c'est un homme. Et Jésus il est là, résurrection. Amen. Dans sa mission, la mission que Jésus n'avait pas faite, c'est celle-ci. C'est aller participer au deuil. On dit on a perdu les lèvres au Jésus qu'il vienne pour dire mes condoléances. Au contraire. Au contraire. Même le monde qui allait enterrer le leur. Auparavant il n'y avait pas de corbières. La dépouille mortelle dans une civière, on l'amène là à Macao. Il est maït. Cette depuis mort. Si elle trouvait seulement la chance. Le chemin dans le cœur, il passe vers le cimetière. Il se rencontre avec Jésus en descendant. Il descend depuis Majengo. Et aussi monte depuis directement, il se rencontre avec Jésus. Amen. Il trouve la dépouille mort. Jésus est la vie. Amen. Et ce matin d'aujourd'hui, si tu trouvais seulement la chance,
Jésus est présent ici. Si tu trouvais seulement la chance, toi visiteur, tu es venu, tu te rencontres seulement avec lui, la mort et la vie, directement la vie. Où est-ce que vous l'avez enterré? Jésus est venu. Le frère de Kasika qui mourut, qu'il accepte de mourir comme homme sans créer des problèmes. Qu'il sache que c'est dans l'absence de temps. C'est dans ce tombeau. Je ne le vois pas très bien. Ôtez la pierre. Tu connais ce qui te pousse de ne pas le voir. Toi, tu as du mal à ôter la pierre. Tu veux qu'on réveille Lazare sous la pierre. Tu veux être guéri sans la foi. L'incrédulité, c'est la pierre. Oh, c'est la pierre. Alléluia. Amen. Il est en train de puer. Si vous voulez, vous pouvez porter même des cachets. Mais levez pour moi la pierre. Lazare. Lazare. Il écrit. Et il est cette voix-là. Mon prophétie. Dans la prophétie. Banaïta, on appelle ça. Cri des commandements. Ya Mamulaka. Sawaïle ya Baskari. Comme le cri de militaire. Lazare. Lazare. Pare, pare, Lazare. Immédiatement, Lazare. Présa yake. Et de répondre présa. Il l'a dit tout au même moment. Mais voici. Jésus dit ok. Marie est quoi? Où est Marie? Les choses sont programmées. Est-ce qu'il viendra se réunir à ta place? Lui va préparer la parole. Et toi aussi tu te mets là pour dire amen. Et le prédicateur va prêcher pour que lui-même réponde. Lui va prêcher et tu vas répondre amen. Et si tu te sens touché par la parole, il ne faut pas faire semblant. Ça, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Regretter, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Il y a nombreux visiteurs qui rentrent sans pourtant se faire baptiser, qui est prêt de se faire baptiser. Lorsqu'on commence à appeler, il commence à se cacher. Si tu veux te cacher, c'est toi qui périras. Est-ce que ça me concerne? Et délier-le. Ôtez lui dans ses draps. Lorsqu'on l'a délié, Jésus l'a saisi par la main. C'est quand même 4 jours. Quand même 4 jours, c'est beaucoup. Aller chercher à manger pour moi. Et la nourriture légère, potage. Jésus est merveilleux. C'est-à-dire, même l'affaire qui concerne la nourriture. Lorsque j'étais avec le vieil, on partageait. Il faut pas. Jésus dit, nous vous enseignons la discipline à la table. Le zo à leur côté, la nourriture restante à son côté. Vous savez, le fait d'être frère, c'est bon. D'apprendre même la manière d'écouter les assiettes à la table. Et le reste de la miette là. Mettez-le à elle. Qu'il n'y ait pas même une miette qui va tomber. Nous serons son affaire le soir. Il amassèrent 12 paniers.
C'est pourquoi lorsque tu as faim, tu lui demandes, il connaît nécessairement ce que tu dois manger. Il ne peut pas passer la nuit blanche deux fois, non. À ta répondre.